Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment faire du e-commerce à partir du site leboncoin.fr. Ici Mickaël Messa, entrepreneur sur Internet, éditeur et e-commerçant. J'ai tenu absolument à faire cette vidéo parce que j'ai reçu des emails de votre part me demandant mais est-ce encore applicable aujourd'hui de faire du e-commerce avec les places de marché? Parce que précédemment, j'ai tourné une vidéo sur les places de marché et le e-commerce. Alors effectivement, c'est encore plus d'actualité actuellement. Et la solution que vous pouvez aussi utiliser pour faire du e-commerce, c'est utiliser le site leboncoin.fr. Effectivement, à partir du site leboncoin.fr, vous pouvez commencer à créer et développer votre e-commerce, devenir un e-commerçant, sans avoir besoin d'investir des grosses sommes d'argent, puisque les transactions sont entièrement gratuites. Alors, il y a ses avantages et ses inconvénients. Par contre, le gros avantage, c'est que vous avez un effet de levier vraiment énorme parce que le site de Leboncoin va vous permettre de mettre en relation vous en tant que e-commerçant et l'acheteur, donc votre client final, tout ça pour 0 euro. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le site Leboncoin, c'est plusieurs centaines de milliers de visites chaque jour. Donc imaginez-vous, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui peuvent être prêtes à acheter votre produit ou pas. Pour cela, vous avez plusieurs conditions à prendre en compte. La première condition, en fait, c'est d'avoir des produits grand public. Quand je parle de produits grand public, c'est surtout des produits comme par exemple la pêche, le bien-être, des livres, des meubles, par exemple des petits meubles pas trop onéreux, pas trop chers, même des voitures se vendent très bien sur le bon coin, vous voyez, donc c'est vraiment des produits grand public, mais qui est à la fois c'est très large. Les téléphones portables se vendent très bien sur le bon coin, les tablettes numériques se vendent très bien sur le bon coin. Vous voyez, là on ouvre vraiment vraiment un univers en fait de l'impossible et du possible. Et du coup, en utilisant des produits à fort potentiel comme ceux que je viens de vous présenter, donc vous allez pouvoir faire du e-business, d'accord, du commerce à partir de ce site-là et très facilement. Alors, comment vous y prendre? Tout d'abord, en fait, comme dans chaque e-commerce, il faut étudier votre marché. Là, précédemment, je vous donnais des pistes, d'accord, de marché sur lequel vous pouvez vous lancer. Mais pour étudier votre marché, vous pouvez aussi vous lancer avec Leboncoin. Par exemple, moi, ce que j'ai mis en place il y a quelques années en arrière, pour savoir si les produits allaient intéresser, si j'allais avoir des demandes de produits intéressants et à fort potentiel, je crée une annonce fictive sur Leboncoin. Et à partir de cette annonce fictive-là, plusieurs photos de belle qualité, une belle description. Et à partir de cette annonce fictive-là, je crée également un email, d'accord, bien particulier par rapport à l'annonce. Et du coup, une fois l'annonce publiée, j'avais des gens qui me contactaient. Si j'avais plus de 10 personnes qui me contactaient pour cette annonce, qui étaient intéressées donc par acheter le produit, à ce moment-là, j'achetais donc le produit à bas coût en Asie, d'accord, ou en Europe, et je le revendais avec une marge, avec une plus-value, avec une marge intéressante quelques jours ou quelques semaines plus tard. Et ainsi de suite, en fin de compte, j'ai pu me constituer un petit réseau de prospects au départ qui étaient intéressés par ce produit-là. J'ai pu les relancer avec l'email Gmail, d'accord, à partir de mon email Gmail, et eux l'envoyer un email en disant, voilà, j'ai tel produit qui vous semblait intéressant pour vous. Du coup, est-ce que ça vous intéresse toujours de l'obtenir à tel prix, dans les mêmes conditions, etc. Je peux vous l'envoyer à votre domicile. Donc ça, c'est une solution, en fin de compte, que j'ai trouvée pour faire ma propre étude de marché sur le site leboncoin.fr et que vous pouvez utiliser, vous, à votre guise, pour faire votre propre étude de marché à partir du site Leboncoin. Une fois que vous avez fait votre étude de marché, vous avez récupéré même des mails de prospects potentiels, de clients potentiels, c'est même intéressant, et ben vous commandez ce produit-là. Moi, ce que je vous recommande au début, quand vous démarrez, c'est commander ce produit-là chez un importateur européen. Pourquoi un importateur européen? C'est que, effectivement, vous pouvez commander en Asie comme le font beaucoup. Mais une fois que vous, si vous commandez vous-même, en fait, les produits en Asie, c'est vous-même qui êtes responsable du produit. Alors que si c'est l'importateur qui commande ce produit-là d'Asie en Europe, c'est l'importateur lui-même qui sera responsable, qui sera tenu responsable si le produit est de mauvaise qualité. Donc ça, c'est vraiment un point qui peut faire basculer votre business. Et surtout, si demain, il y a un client qui porte plainte contre vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes embêté, vous êtes gêné. Et donc, si c'est de l'importateur européen, alors bien sûr que vous serez toujours responsable, mais
la faute sera en fait répartie avec l'importateur européen. Donc, vous pouvez choisir un importateur européen. D'ailleurs, je vous donne une plateforme alors, qui est payante, mais dont le premier mois est gratuit. Je crois que c'est les 3 premières semaines sont gratuites d'utilisation. C'est Zentrada.fr. C'est une plateforme donc européenne qui regroupe tous les fournisseurs européens, qui est vraiment très qualitatif. C'est une plateforme allemande qui est écrite en français, qui écrit donc toutes les descriptions sont en français. Et utilisez-la pour commencer à développer votre e-business et commencer à obtenir des revenus supplémentaires. Avec cette vidéo, j'ai tenu à répondre à des questions récurrentes qui revenaient très souvent par email et qui me disaient: est-ce que ça vaut le coup encore aujourd'hui de vendre sur des sites e-commerce comme des places de marché comme eBay, Price Minister, Amazon et ou encore Le Bon Coin? Effectivement, ça vaut le coup et en plus, vous pouvez même utiliser ces plateformes comme étude de marché avant de lancer votre propre e-business. Maintenant, si vous allez un peu plus loin dans des solutions concrètes afin d'obtenir de 300 à 500 euros de revenus supplémentaires chaque mois, je vous ai préparé un guide PDF entièrement gratuit. Vous avez pour cela plus qu'à cliquer en dessous de la vidéo, inscrire votre prénom et votre email et ainsi vous recevrez donc ce guide PDF gratuitement. Ceci dit, avant que l'on se quitte, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube Comment devenir riche et pour nous retrouver à une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.